Puis pour développer des gros projets comme ceux-là, évidemment, on a besoin d'infrastructures de transport, comme les quais, le chemin de fer. Et parlant du chemin de fer, je vous dirais qu'il y a une alliance qui a été créée entre les municipalités francophones du Nouveau-Brunswick et l'Union des municipalités du Québec. C'est une alliance qu'on a créée le vendredi dernier. Nous, comme membres de l'UMQ, bien forcément, on est membre de cette alliance-là. Et ça a pour but, on a pour but, dans le fond, d'unir nos efforts pour demander à la ministre fédérale des Transports de soutenir le maintien du chemin de fer dans nos régions. Actuellement, un enjeu majeur au niveau du chemin de fer, c'est le tronçon Miramichi-Bathurst, qui est menacé de fermeture. Vous allez me dire, c'est au Nouveau-Brunswick, ça ne nous concerne pas. Je vous dirais, ça nous concerne directement, parce que si on ferme ce tronçon-là, ça signifie que les trains, notamment ceux de Via Rail, ne pourront plus passer par la vallée de la Matapédia pour atteindre notre coin de pays. Au lieu de passer par la vallée de la Matapédia et venir en Gaspésie, bien, ils vont fourcher à Saint-André de Restigouche, se rendre directement au sud du Nouveau-Brunswick, et ça jusqu'à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Bref, le train éviterait Rimouski, éviterait Matane, la vallée de la Matapédia, la Gaspésie, le nord du Nouveau-Brunswick. Donc, le petit tronçon de 70 km entre Miramichi et Bathurst, il devient très important pour la survie du transport et surtout du transport de passagers dans notre région. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les municipalités du Québec, via l'UMQ, et les municipalités du Nouveau-Brunswick se sont alliées dans cette lutte pour la survie des services ferroviaires dans l'Est du Québec et dans l'Est du Canada. Puis, ce qu'on a convenu, c'est qu'évidemment, on n'a pas les moyens de perdre cet outil-là. C'est un outil qui est important pour notre développement socio-économique. Puis, on parle autant du transport de passagers que du transport de marchandises. C'est un outil qui est majeur. Donc, on a tout intérêt à tous travailler ensemble, à tous mettre l'épaule à la roue pour conserver ces acquis-là. C'est des acquis. On ne demande pas de développer de nouveaux tronçons, on demande juste de garder ceux-là qui existent déjà. Donc, ça, il y a un consensus, puis on va aller cogner à la porte de la ministre fédérale des Transports avec ce dossier-là. Si on revient plus près de chez nous, on a deux dossiers majeurs de revitalisation territoriale qui sont dans nos cartons. D'abord, le projet Gaspé-Berceau du Canada, qui sera terminé de construire cette année. Ce printemps, bien, on est en train de prévoir l'aménagement de l'interprétation puis de l'animation du site qui devra être faite pour cet été. Donc, il y a aussi la portion routière qui devrait être complétée durant la prochaine année, tout comme l'enfouissement des fils et des fils électriques dans le secteur de la rue Harbour. Donc, présentement, je vous dirais que c'est surtout au niveau de la programmation, de l'animation. C'est ça qui retient notre attention pour ces temps-ci. Et on y travaille ardemment là, avec les gens du milieu. On veut vraiment un site qui sera dynamique, que les jeunes et que les moins jeunes aimeront. On veut que la population puisse s'approprier ce site-là au même titre que les touristes. Bref, l'endroit est exceptionnel. Il suffit d'aller le marcher ou d'aller le visiter pour bien le comprendre. Puis on veut vraiment que tout le monde puisse en profiter. Et par ailleurs, du côté de Rivière-aux-Nord, il y a un projet qui est tout aussi ambitieux, qui est en train de se dessiner là, avec les gens du milieu. On parle ici d'un réaménagement complet du village suite aux importants travaux réalisés là, au niveau des infrastructures. Il y a quand même eu un 40 millions de dollars de mis au niveau des infrastructures routières, aqueducs, égouts pour tout le centre du village de Rivière-aux-Nord. Bien maintenant, en bon français, c'est le gravy qu'on veut mettre dessus. On veut avoir quelque chose de beau, on veut se redonner une belle image à Rivière-aux-Nord au niveau de la capitale des pêches. Donc, il y a un ambitieux projet qui a été dessiné par et pour les gens du milieu. Puis, on aura évidemment besoin d'un gros coup de pouce là, de la part de nos gouvernements pour aller de l'avant dans ce projet-là, exactement comme ce fut le cas là, avec le projet Gaspé-Berceau du Canada. Donc, les prochaines étapes du projet de Rivière-aux-Nord, c'est justement celle-là, c'est d'aller à la recherche de partenaires financiers. Et il est clair que la municipalité a l'intention d'épauler ce magnifique projet que l'on souhaite voir se réaliser au cours des prochaines années, mais tout ça va être conditionnel, évidemment, comme tous les autres projets, à l'obtention d'aides financières substantielles. Et ça devient de plus en plus un impératif là, avec toutes le poids financier ou le fardeau financier que les municipalités, dont la nôtre, ont absorbé là, depuis quelques années. Du point de vue commercial maintenant, bien, ces derniers jours, on a assisté à l'ouverture du tout nouveau Super C de Gaspé, qui précède de quelques mois l'agrandissement majeur qui est en train de subir le IGA de Gaspé aussi, ainsi que la construction d'un nouveau IGA à Rivière-aux-Nord. Pour en venir au Super C, on peut comprendre qu'il s'agit d'un premier véritable pas vers le développement du nouveau secteur projeté pour le développement de magasins à grande surface. Le nouveau plan d'urbanisme de la ville de Gaspé prévoyait cette zone de développement de grande surface. Alors, on peut dire que maintenant, bien, c'est parti, la machine est en marche.
ce secteur-là où Omar Douar était un précurseur. Vraiment, il est en face, l'autre bord de la route, mais on est quand même dans le même secteur. Donc, on a le Omar Douar, on a maintenant le Super C. Ça va venir créer un achalandage dans ce coin-là de notre ville. Puis, cet achalandage-là, bien, c'est ça qui est significatif. C'est ça que ça prend si on veut attirer de nouveaux joueurs commerciaux. Donc, pour les nombreux citoyens qui réclament de nouveaux magasins, notamment des magasins à grande surface, disons qu'on vient de franchir une nouvelle étape pour attirer de nouveaux joueurs chez nous. Par ailleurs, bien, on continue de travailler aussi à attirer de nouvelles industries chez nous et développer de nouvelles industries ou aussi développer des entreprises existantes. Je vous dirais que présentement, là, avec la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, il y a un comité de développement des affaires là, qui a été mis en place afin de travailler plus étroitement avec la ville. On voit ça d'un bon œil. On pense qu'on peut travailler de façon plus étroite avec le milieu des affaires. Mais pour en revenir aux industries, disons que le développement éolien bien, est fortement lié toujours à nos efforts de diversification économique. On espère toujours pouvoir poursuivre ce développement-là chez nous, le développement éolien. Par contre, il y a eu des retards qui ont été pris dans les derniers mois pour le lancement du dernier appel d'offres d'énergie éolienne. Ces retards-là vont avoir certains impacts chez nous. En effet, on parle d'un certain ralentissement temporaire chez LM Wind Power. Les employés tomberont donc à 3 jours semaine pour les 6 prochains mois environ. Ça peut paraître vraiment important ou majeur comme nouvelle. Cependant, je vous dirais que c'est rien de dramatique, c'est rien d'alarmant, puisque l'on sait déjà que les carnets de commandes vont être pleins à partir du mois de septembre prochain. On sait déjà, tout est déjà signé, bref. Par contre, si on peut continuer de produire à plein régime pour les 6 prochains mois, on se retrouverait avec une surabondance de pales dans le cours. Donc, une décision d'affaires qu'a dû prendre la compagnie. On comprend ça, on respecte ça. Et donc, on va avoir un certain ralentissement seulement pour les 6 prochains mois. À partir du mois de septembre, on repart à plein régime. Et on sait déjà qu'on va rouler à plein régime jusqu'au moins en 2017-2018, seulement avec les appels d'offres qui ont été lancés récemment. Donc, s'il y a encore des nouveaux appels d'offres, bien, le 2017-2018 va se prolonger. Et ce qu'on vise, c'est vraiment atteindre le cap du 2022-2025 environ, où il va falloir recommencer à reconstruire les premiers parcs éoliens qui ont été construits au début des années 2000. Donc, si on veut assurer la pérennité de cette industrie-là, ce qui est important, c'est de venir boucler la boucle jusqu'en 2022-2025 environ. Donc, pour le moment, il n'y a rien de dramatique chez LM. On parle vraiment d'une situation qui est temporaire. Et même que, je dirais que si tout va comme prévu sur le territoire de l'Amérique du Nord, LM Gaspé pourrait même se développer davantage dans les prochaines années parce qu'il faut savoir que notre usine est l'une des meilleures au monde, pour ne pas dire la meilleure du groupe LM à l'échelle planétaire à ces temps-ci. Donc, elle est vraiment en bonne position pour se développer sur l'échiquier là, de l'Amérique du Nord et même sur l'échiquier mondial. Maintenant, autre dossier qui nous préoccupe beaucoup depuis quelques années, c'est un incontournable, on en parle à toutes les séances du Conseil, le dossier des hydrocarbures sur le territoire municipal. Comme vous le savez, le jugement qui est tombé dans le litige opposant Petrolia à la ville de Gaspé. Rappelons que le litige portait essentiellement sur les compétences ou sur le pouvoir de la municipalité d'adopter un règlement visant à protéger ses sources d'eau potable vis-à-vis des forages d'hydrocarbures. En gros, le règlement municipal interdit l'injection dans le sol de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Donc, la ville de Gaspé, comme 78 autres municipalités au Québec, ont adopté un règlement de ce type-là. Puis, on estime avoir le pouvoir légal de protéger l'eau potable de nos citoyens. Puis, c'est pourquoi, bien, nous avions répondu à l'époque là, à la poursuite de Petrolia. Donc, pour être certain d'être bien compris, j'aime toujours mieux le rappeler, la ville de Gaspé n'est pas contre l'exploration ou l'exploitation du pétrole, mais elle souhaite que ce développement-là se fasse dans le respect des populations puis dans le respect de l'environnement. À notre avis, quand on fait des forages à 2 km d'un centre-ville, à 300 mètres d'une maison, dans la cour arrière des gens, à travers la nappe phréatique qui abreuve 400 familles, à côté de 3 rivières à saumon, d'une magnifique plage, d'une baie exceptionnelle avec une biodiversité incroyable, on pense que c'est pas la meilleure façon de faire ce type de développement-là. Il y a plein de potentiel de développement, partout en Gaspésie, ailleurs au Québec également. Il y a des endroits où il n'y a pas de population ou très peu de population, mais j'aime mieux dire qu'il y a des endroits où il n'y en a pas pantoute. Il y a 85 % du territoire de la Gaspésie où il n'y a pas un seul citoyen qui vit, où je ne veux pas minimiser l'importance de l'eau et de l'environnement, mais disons qu'au niveau des populations, au niveau des risques pour la santé humaine, les risques sont beaucoup moins élevés dans 85 % du territoire de toute la Gaspésie. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que si on veut
aller de l'avant de façon responsable avec ce type de développement-là, bien, on pense que ce développement-là devrait se concentrer dans des territoires qui ne sont pas habités. Mais, ceci étant dit, tout ce développement-là, légalement, c'est dans les mains du gouvernement du Québec. Les municipalités ont peu, j'aime mieux dire peu que pas, de responsabilité ou de pouvoir dans ce type de développement-là, parce que c'est une loi qui encadre ça, c'est une loi provinciale, c'est la loi sur les mines et tous les règlements qui en découlent. Et cette loi-là vient nous dire que les municipalités n'ont pas de pouvoir à ce niveau-là. Par contre, c'est l'objet du règlement dont on parlait tout à l'heure, les municipalités ont un pouvoir au niveau de la protection de leur eau potable. Notre règlement a été testé devant les tribunaux, et je vous dirais que le jugement en question, là, qui interprétait notre règlement, il est divisé en deux volets. Il y a un volet, d'abord, qui dit que le règlement municipal est déclaré invalide. Un volet du règlement municipal est déclaré invalide. C'est le volet qui concerne le fait qu'on demandait aux compagnies pétrolières, entre autres, d'avoir un permis de forage auprès de la municipalité. Bon, le juge vient dire, un permis de forage, ça ressemble beaucoup à la loi sur les mines. Là, je pense que vous êtes dans la plate-bande du gouvernement. Vos articles sur le règlement, vos articles du règlement sur les permis de forage, celui-là, je vous dis qu'il est invalide, je pense qu'il est inconciliable avec les lois québécoises, puis je pense que ce n'est pas de votre sort. Bon. Par contre, il y a une deuxième partie du jugement qui est beaucoup moins simple, beaucoup plus difficile à saisir. Puis, l'interprétation qu'on en fait, puis c'est que, dans le fond, le juge vient dire, pour la protection de l'eau potable à proprement parler, vous aviez le pouvoir, vous aviez la compétence de protéger votre eau potable. Par contre, le juge vient nous dire, vous venez à l'encontre d'un règlement provincial déjà existant sur le même objet. Bon, on l'a cherché, le règlement qui protège l'eau potable, le règlement provincial qui protège l'eau potable, et on a bien beau chercher, mais on ne l'a pas trouvé. D'ailleurs, on le demande depuis assez longtemps que s'il existait, bien, on ne le demanderait pas, il existerait déjà. Fait que ceci étant dit, bien, écoutez, il n'y en a pas de règlement provincial sur la protection de l'eau potable. Alors, quand le juge nous dit qu'il y a déjà un règlement provincial qui légifère sur le même objet que le règlement municipal, bien, honnêtement, on a bien beau chercher, mais on ne comprend toujours pas le raisonnement du tribunal à cet effet-là. Par contre, ce qu'on comprend et ce qu'on entend, c'est qu'à la base, une municipalité a compétence pour protéger son eau potable. Le juge le confirme, on a compétence. Et on a décidé d'accepter cette compétence-là. On avait adopté un règlement dans ce sens-là, puis on a toujours présumé que notre règlement devait tenir la route, puis le juge le confirme en partie. Maintenant, bien, la question qui brûle toutes les lèvres depuis une vingtaine de jours, la ville de Gaspé ira-t-elle en appel de ce jugement-là? Honnêtement, on n'a pas encore statué, puis on va devoir statuer dans les prochains jours. Ce qui ne nous reste pas beaucoup de jours, on en est bien conscient. On avait 30 jours pour... depuis le 10 février, en réalité, on avait 30 jours pour déposer notre inscription en appel. Le 30 jours arrive à terme bientôt. Puis c'est un délai qu'on ne peut pas dépasser. Jusqu'à maintenant, on a laissé une chance au gouvernement du Québec d'adopter son fameux règlement sur l'eau potable qui nous est promis depuis déjà trop longtemps. Là, ce qu'on sait, ce qu'on entend, puis sans être devin, je pense que ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'est-ce qui s'en vient. On s'entend qu'on part en élection provinciale dans les prochains jours ou peut-être dans les prochaines heures. Donc, on devra encore se poser la question suivante, c'est est-ce qu'on abandonne la partie en laissant les citoyens sans protection ou est-ce qu'on continue de protéger l'eau potable de nos citoyens comme on l'a fait depuis un peu plus d'un an en lieu et place du gouvernement du Québec? Donc, est-ce qu'on dit, OK, on lâche la partie, c'est la job du gouvernement, on ne s'en occupe plus, ou est-ce qu'on dit, on maintient encore la patch qu'on a mis sur le trou législatif du gouvernement, on maintient la patch là-dessus, en attendant que le gouvernement du Québec se branche puis qu'il nous arrive avec son règlement qu'il nous promet depuis déjà beaucoup trop longtemps. Rappelons-le, on n'a pas l'intention de nuire au développement de l'industrie, comme on le disait tout à l'heure, le terrain de jeu de la Gaspésie est immense et il est rempli de potentiel. Ça a été foré à d'autres endroits où les potentiels sont jugés beaucoup plus grands que le territoire habité d'Haldimand. Mais on ne comprend pas pourquoi un secteur habité comme Haldimand, où il y a une nappe phréatique utilisée pour les citoyens, où il y a beaucoup de gens qui vivent, où on est proche d'un milieu fragile comme la baie de Gaspé, comme les rivières à saumon, etc., on ne comprend pas pourquoi ce terrain-là devrait servir de terrain de pratique pour l'industrie pétrolière et gazière. Ça, on a encore de la difficulté avec ça.
alors qu'il y a 85 % du territoire gaspésien qui est inhabité, où il n'y a pas de problématiques possibles au niveau de la santé humaine reliée à la consommation d'eau potable. Donc, on a des signaux de notre côté qui sont clairs et non équivoques, que le gouvernement aurait demandé, semble-t-il, à l'industrie de concentrer ses activités sur des secteurs moins risqués pour la population, notamment Anticosti. Mais on n'a toujours pas de croquant à se mettre sous la dent. On n'a pas encore de loi, on n'a pas encore de règlement pour la protection de l'eau potable. On n'a pas notre loi sur les hydrocarbures qu'on réclame depuis près de 4 ans. Mais on veut cet encadrement-là, puis on veut que le gouvernement assume ses responsabilités. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Comme je le disais, est-ce qu'on maintient la patte sur le trou législatif du gouvernement ou est-ce qu'on abandonne malgré un jugement qui contient vraisemblablement, à notre avis, de potentielles erreurs de droit? Bref, on n'a pas de décision de prise, ce n'est pas l'ordre du jour de ce soir. On a quelques jours encore pour finir de tourner la question tout bas, tout côté, puis pour rendre la décision que le conseil municipal aura à rendre à ce moment-là. Bref, ça fait un peu le tour du fameux dossier pétrolier pour le moment. Je vous dirais qu'on a beaucoup fait le tour de la question. Il nous reste encore des dernières petites choses à discuter ensemble au conseil pour arriver avec une décision qui sera finale dans ce dossier-là. Puis on vous tiendra au courant, évidemment, principalement, je présume, via les médias, puisqu'il n'y aura pas d'autres séances publiques ou via Télé-Gaspé. D'ici à ce que cette décision-là soit prise, mais via les médias traditionnels, vous allez sûrement être informé de notre décision. Je vous dirais, il y a plusieurs autres dossiers sur lesquels la municipalité travaille. On va vous en entretenir dans une prochaine séance du conseil municipal. Je ne veux pas étirer le mot du maire plus longtemps que ça, mais je vous rappelle que la volonté de notre conseil municipal, c'est de travailler ensemble pour le développement de notre ville, puis en mettant le citoyen toujours au cœur de nos décisions, au cœur de nos préoccupations. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour. Je vous dirais, pour ceux qui veulent faire des activités, il y a toujours toutes sortes de choses sur le calendrier de la ville de Gaspé, sur le site web municipal, www.ville.gaspé.qc.ca. Si il y a des activités hivernales qui vous intéressent, des spectacles ou quoi que ce soit, la nette majorité des événements qui se passent dans notre ville se trouve sur le site web de la ville, dans la section calendrier. Je vous invite à la consulter, à participer aux activités qui sont souvent menées de main de maître par des bénévoles. Bref, encouragez nos bénévoles, puis profitez-en. Écoutez, on offre une vitalité culturelle et sportive, comme nulle part ailleurs dans la région. Donc, c'est à nous, les citoyens, là, d'en profiter pleinement. Donc, je vous invite vraiment à en profiter, puis je vous souhaite un beau mois de mars. Merci. Donc, ceci étant dit, si on revient à notre ordre du jour, on s'est rendu au point 4B, l'état des revenus et dépenses. C'est un dépôt. Donc, je ne crois pas que ça prend de proposeur. Je ne prends pas de proposeur. Je pose la question à chaque fois. Vous allez dire que je ne le retiens pas, mais ça va finir par rentrer. Donc, c'est déposé. Il n'y avait rien de particulier à signaler. On est maintenant au point 5, le rapport des conseillers et les questions aux officiers. On commencerait à ma gauche par M. Canville. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Durant le mois de mars, moyennement occupé aussi, j'ai eu des réunions. Il faut dire ce que j'ai fait dans le mois de mars, des réunions au Mont-Bécherville. Réunion avec Vision commune en environnement, un sujet très intéressant présenté la semaine dernière par divers intervenants du milieu. Ensuite, rencontre avec des citoyens de mon quartier pour les problématiques de quartier. Et je participais à l'arrivée de la TDLG. Félicitations aussi à ce groupe de personnes qui sont venues à Gaspé. Félicitations aux organisateurs parce que je pense que ça a réuni encore plus de 300 personnes. Puis ça n'a pas dû être chaud, mais quand même, ils ont dû avoir du bon temps. Je participais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'inauguration du nouveau magasin d'alimentation à Gaspé. J'aimerais revenir sur des points qui me tiennent à cœur, étant donné que je fais partie du conseil d'administration du Mont-Bécherville. Ça va très bien cette année, depuis le 21 décembre que le Mont-Bécherville est en fonction. Pas eu de pépins, disons que ça va très bien. La participation est au-delà de nos espérances, fait que disons que ça devrait être une belle année et une bonne année pour le conseil d'administration. Il y a des activités qui sont à venir durant la semaine de relâche, puis des activités qui sont au mois de mars, la fête des neiges, le 15 de mars. Ensuite, il va y avoir une descente, une journée spéciale de 12 heures qui est faite par la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Si vous voulez participer, ce serait au 368-3301. Monsieur, c'est monsieur qui est président.
Nérisson. M. Nérisson qui s'occupe du dossier. Le 22 mars, il y a une journée télémarque. Le 23 mars, l'Assemblée générale annuelle du centre de ski pour élire des nouveaux membres au niveau du conseil d'administration. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et vous allez voir circuler dans les semaines qui viennent une lettre d'appui qui est faite dans les commerces et à différents endroits de la ville pour appuyer la demande pour une remontée mécanique avec des sièges. Donc, on vous demande de participer en grand nombre. Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles, comme vous le disiez tout à l'heure, les bénévoles qui font partie de notre ville, mais les bénévoles de mon quartier qui s'occupent des patinoires de Wakeham et de Saint-Majoric. Je pense que c'est important parce que c'est quand même des gens qui mettent du temps pour pouvoir donner la qualité de glace puis donner ce loisir à nos jeunes et à nos gens, à nos plus grands aussi. Bientôt, au niveau de la régie intermunicipale, vous allez entendre parler des bouts de faux sceptiques, vous allez entendre parler de la cueillette des bacs bruns. C'est des choses que je vous reviendrai dessus avec le directeur des travaux publics, M. Jocelyn Villeneuve. La route de Pointe-Navarre, comme vous avez vu, le ministère des Transports s'en sert assez souvent présentement parce qu'il y a ce qu'on appelle la traverse. La traverse est fermée assez souvent à cause des forts vents. Donc, il y a des interventions qui vont être faites auprès du ministère des Transports afin de redonner une forme de route plus potable à cette route-là, parce qu'il y a des démarches qui vont être faites par notre directeur général auprès du ministère. On verra là-dessus, parce que le ministère des Transports a présentement mis une signalisation permanente tout le tour du chemin du détour de Pointe-Navarre, donc ce qui veut dire qu'ils vont s'en servir assez souvent. Et cette route n'était pas prévue à cette fin. Donc, ça fait le résumé de ce que j'ai dit. On reviendra avec ces dossiers-là plus tard dans le mois. Bien, merci beaucoup, M. Kenville. Maintenant, M. O'Connor. Oui, M. le maire, bonsoir, mesdames, messieurs. Bien, mon mois a été courté pas mal. J'ai eu peur de la tempête, je m'avais sauvé un peu avant. Mais on a eu le temps quand même de rencontrer les propriétaires à l'Anse-sur-Yvon, autrement dit les usagers du réseau d'Acaduc à titre d'information pour leur donner leur juste sur le dossier du réseau d'Acaduc. Ça a été une très bonne rencontre. Puis d'ailleurs, M. Villeneuve et M. Drolette ont fait une bonne sortie là-dessus. Ça a été très, très bien expliqué. On a aussi eu une assemblée de la région intermunicipale. On a rencontré l'organisme, le responsable de la région royale canadienne aussi, avant que je parte. Ça fait que mercredi, on a une rencontre avec les représentants des organismes à l'Anse-sur-Yvon, mercredi soir. Fait que mes questions, je les ai posées en régie. La date, c'est beau. C'est tout. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. O'Connor. Mme Perry. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon, je vous énumère mes principales activités pour le mois de février. Il y a eu les rencontres régulières du conseil municipal. Le 4 février, j'ai participé à une rencontre du service d'accueil aux personnes immigrantes, SAPI. Entre autres, il y a eu le dépôt de leur plan d'action et présentation des activités du mois des Noirs et de la semaine de la diversité gaspésienne et madelinienne. Le 4 février, également, on a rencontré les dirigeants de la Légion canadienne de Gaspé. Le 4 février, en soirée, on avait reçu une invitation de la coopérative de développement régional Gaspésie, les îles. Il y a eu la présentation du documentaire 5 à 1000, Les Irréductibles. Ça traitait de la mobilisation citoyenne pour dynamiser ou redynamiser un milieu de vie. La projection a été suivie d'une discussion avec le public sur les enjeux présentés dans le film, mais dans un contexte local. Le 6 février, j'ai eu le conseil d'administration du réseau Biblio Gaspésie-les-Îles par conférence téléphonique et je profite pour informer les responsables des bibliothèques que l'Assemblée générale annuelle va se tenir le 14 juin au gîte du Mont-Albert. Ensuite, le 22 février, il y a eu le conseil d'administration du réseau Biblio Québec. Ça, c'est au niveau provincial. Le 26 février, j'ai assisté à l'inauguration du marché Super C. Et le 27 février, j'ai participé également à une formation sur les environnements favorables offerte par l'URLS et Santé Jeunesse en collaboration avec la démarche de développement social de la MRC. L'objectif était d'évaluer la portée des environnements sur les différents secteurs de notre MRC, notamment en ce qui a trait aux centres sportifs et de loisirs, au secteur scolaire et à l'aménagement du territoire. Et on a, à la fin, ressorti des pistes d'action concrètes. Je complète en disant que du 4 au 27 mars, nous soulignons le mois de la Francofête, célébration du français et de la francophonie.
C'est coordonné par l'Office québécois de la langue française et également par l'Association Québec-France. Le slogan pour cette année, c'est le tourisme au Québec par mont, par vaux et par mots, M-O-T-S. Comme je le dis, l'Association Québec-France, en collaboration avec la Ville de Gaspé, invite la population à participer aux activités qui seront organisées pour souligner cet événement. Donc, rendez-vous sur le site de l'Association Québec-France et vous allez y retrouver toute la programmation. Le 8 mars, on va souligner, bien sûr, la Journée internationale des femmes. On sait que les femmes jouent un rôle important, dans la prospérité économique de notre région. Bonne journée à toutes les dames de ma communauté et merci pour votre dévouement envers nos familles, nos jeunes, nos malades. Et enfin, merci pour le travail que vous réalisez pour le bien-être de notre collectivité. Du 22 au 29 mars, il va se tenir la semaine de la diversité gaspésienne et madelinienne. Le service d'accueil aux personnes immigrantes, le SAPI et la MRC Côte de Gaspé vous proposent plusieurs activités très intéressantes dans le cadre des Journées de la diversité gaspésienne. Il va y avoir un souper et différentes activités en soirée, donc je vous invite peut-être à réserver assez rapidement. En communiquant avec l'organisme SAPI Pouvoir des mots au 368-7500. Je terminerai en disant que bien malgré le froid et les importantes tempêtes de neige, il y a quand même eu deux activités importantes qui se sont tenues au cours du mois de février. Le tournoi à tombe et, on vient de terminer avec la Grande Traversée. C'était sa 12e édition. Je profite également pour remercier les organisateurs de ces deux événements-là. Et remercier également les nombreux bénévoles qui permettent aussi l'organisation et la tenue de ces événements. En terminant, ben je joins ma voix à celle du maire pour, dans le cadre de la semaine de la relâche, pour souhaiter une bonne semaine de relâche aux nombreux enseignants et à tous nos petits et nos jeunes qui sont sur notre territoire. Merci. Merci beaucoup, Mme Perret. Je passerai maintenant la parole à M. Coton. Monsieur le maire, consoeurs et confrères, conseillers, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai été beaucoup occupé ces derniers mois, surtout sur plusieurs dossiers problématiques venant des citoyens et citoyennes de mon quartier. Je m'efforce avec les gens de la ville de régler ou à tout le moins de faire les changements nécessaires dans la mesure du possible sur ces dossiers. En ce qui concerne le dossier d'odeur d'égout dans mon quartier, on va prioriser les 7-8 résidents de la rue du Parc pour effectuer des travaux de recherche afin de trouver la source du problème. On s'est entendu avec une compagnie pour effectuer les travaux. On n'oublie pas les résidents du boulevard au nord-ouest. Tout simplement, on espère obtenir une expertise avec les travaux de la rue du Parc pour procéder ensuite. Vous comprendrez que c'est un travail qui demande un certain temps, mais tout le monde pense que l'on y arrivera. Il ne faut pas désespérer. Plusieurs autres dossiers sont en cours. On va travailler à essayer de finaliser tout ça le plus rapidement possible. Un autre dossier qui concerne mon quartier est celui de l'étude de la Corporation récréo-touristique. Ces bénévoles sont à s'organiser, locaux, bureaux et tout ce qui implique, en plus d'une ressource humaine, pour mettre en place la structure qui va faire la recherche de financement sur les différentes étapes du projet. On va travailler avec eux afin de combler le plus rapidement possible ses besoins immédiats. En terminant, je voudrais remercier M. le maire Daniel pour sa grande disponibilité. Aussi notre directeur Sébastien Fournier, qui est souvent débordé, mais qui trouve toujours le temps pour nous et nos dossiers. Merci aux autres directeurs de services qui sont aussi à notre disposition. Un gros merci à vous tous et bonsoir. Merci beaucoup, M. Coton. Merci pour vos bons mots et je vous transmets l'appareil. Franchement, l'appareil, vous êtes bien souvent disponible aussi pour vos citoyens puis pour nous. Donc, M. Smith, ce serait maintenant à votre tour. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, voici mon rapport pour le mois de février. Donc, en plus des réunions régulières du Conseil et des rencontres avec les citoyens, j'ai assisté également, en compagnie de Mme Perret, à la présentation du documentaire « Sainte-Camille, les irréductibles ». C'est un petit documentaire qui est très intéressant, extrêmement intéressant, qui, selon moi, devrait être vu par tous nos organismes et gens du milieu
qui ont à cœur le développement durable et l'occupation de notre territoire. Je vous invite à aller faire un tour sur Internet en tapant là, Sainte-Camille, les Rides irréductibles. Vous allez avoir une présentation du film là, extrêmement intéressant à aller voir. Mercredi, le 12 février, j'ai assisté à une réunion du comité consultatif d'urbanisme. Et la semaine dernière, j'ai été à l'inauguration du nouveau magasin Super C, qui a ouvert ses portes le lendemain au grand public, là, dans cette nouvelle zone commerciale de York Sud. D'ailleurs, je tiens à inviter les gens à être prudents dans le secteur. Il y a un nouveau feu de circulation et une nouvelle limite de vitesse, donc dans ce coin-là, soyez alertes, s'il vous plaît. Je tiens à mon tour à souligner la semaine de relâche scolaire. Je vous invite à prendre l'air, à faire plein d'énergie avant d'entamer le dernier droit de votre année scolaire. Et à toutes les femmes de la ville de Gaspé, en particulier celles de mon secteur, bien, je souhaite une super belle journée le 8 mars prochain. C'est votre journée. Voilà, M. le maire, c'est tout. Bien, merci beaucoup, M. Smith. Merci tout le monde. Écoutez, on est rendu maintenant au point 6 de notre ordre du jour, donc l'acceptation des comptes. 6A, les comptes du mois. La recommandation est à l'effet que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 80 780,21 $, dont activités financières régulières du même montant, et que le conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1075-09, délégation de pouvoir, pour des activités financières de 2 039 981,37 $ et des activités d'investissement de 915 025,35 $. Ça me prendra un proposeur. Monsieur O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. On va donc au point des travaux publics, au 8.4A, le paiement de facture pour le projet des toilettes à l'aréna de Gaspé. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement des factures de Bon Enfant par Brise d'Auto Inc. au montant de 1 770,50 $ plus taxes, de Services technologiques Duo au montant de 3 337,50 $ plus taxes, de Magasin Coop de Rivière-au-Nord, Quincaillerie Ace, au montant de 1 827 $ plus taxes, et que ce montant soit imputé au règlement d'emprunt 1060-09 concernant les projets de legs. Madame Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 8.4B, disposition d'équipement d'arpentage, une station totale. Donc, c'est un vieil équipement d'arpentage qu'on a ici qui ne nous sert pas. On n'a pas d'employés formés à cet effet-là. Puis, donc, on se propose de, comme le dit la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de transférer ces équipements d'arpentage-là, une station totale, au département de foresterie du cégep de la Gaspésie et des Îles pour la formation des étudiants. Puis en échange, bien, on va pouvoir recevoir certains services du département de foresterie et du cégep. Donc, ça pourra servir enfin à quelqu'un. C'est quelque chose qui dort dans nos armoires ici, là. Donc, M. Canville propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 8.4C, l'acceptation de soumission pour des travaux d'évaluation de la plomberie de cette maison ayant un problème d'odeur sur la rue du Parc à Rivière-au-Nord et dont M. Coton nous faisait allusion dans son petit mot tout à l'heure. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le mandat pour des travaux d'évaluation de la plomberie de cette maison ayant des problèmes d'odeur sur la rue du Parc à Rivière-au-Nord à Exceldan plombier pour un montant de 1 385 $ plus les taxes applicables, que ce montant-là soit imputé au règlement 1219-13 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Je propose. Monsieur Coton propose, ça va pour tout le monde. Et en passant, Exceldan, c'est Daniel Côté qui a le même nom que moi, mais qui ne fait pas le même métier. Donc, pour éviter toute confusion, ce n'est pas moi-même qui suis plombier à temps partiel. Rassurez-vous. Sur cette précision, on est maintenant au point 8.4D, acceptation de soumission pour la mise à jour de l'expertise sur la stabilité de pente au garage municipal de Gaspé. Donc, il y a des problématiques d'érosion depuis plusieurs années derrière le garage municipal. En 2006, on a déjà procédé à une étude de sol et on sait qu'il y a eu encore beaucoup d'érosion depuis la dernière analyse en 2006. Donc, on a besoin de valider si le terrain est encore assez solide pour supporter et le garage et les équipements qui se trouvent dans ce secteur-là. Donc, la recommandation en question, c'est que le conseil municipal octroie le mandat pour la mise à jour de l'expertise sur la stabilité de pente au garage municipal de Gaspé à la firme InspecSol pour un montant de 4 000 $ plus les taxes, que le montant soit imputé au code budgétaire 02-320-00-459 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Madame Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci.
8.4e, modification de la coordonnée du lac d'Amour pour l'application du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Donc, c'est un ajustement de la coordonnée GPS pour les besoins du gouvernement fédéral. On va mettre à jour cette coordonnée-là, puisque dans leur livre, semble-t-il que ce n'était pas la bonne. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la demande de modification de la position de la restriction pour le lac d'Amour auprès de Transport Canada, Bureau de la sécurité nautique. Un proposeur. Je propose. Monsieur Coton propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Bien, merci. Ça ne sera pas très long. On arrive au 8.4F, donc l'achat d'un réservoir hors sol pour les huiles usées. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la direction des travaux publics à faire l'achat d'un réservoir pour la récupération des huiles usées chez Industrie Desjardins au montant de $3,187,97 plus les taxes applicables, que le montant soit imputé au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Un proposeur. Monsieur Kenville propose. Ça va pour tout le monde? Merci. Point 8.4G. L'achat d'une laveuse à pression pour remplacer une vieille laveuse à pression qui a maintenant 27 ans. Vieille étant relative, j'ai 34 ans, je me considère encore jeune. C'est une blague. Recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à faire l'achat d'une laveuse à pression chez Égide Dupuis et Fils au montant de $5,819 plus les taxes applicables et que le montant soit imputé au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Un proposeur. Je propose. Monsieur Smith propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Et petite question de précision, les derniers points qu'on vient de passer, toutes les fois qu'on fait des achats, c'est tout de suite à des demandes de prix ou à des appels d'offres avec lesquels on va toujours avec le plus bas soumissionnaire conforme, bien évidemment. Ça nous amène donc au point 8.5, les services administratifs, l'abrogation de la résolution 97-12-50. Donc, la recommandation, c'est que la dite résolution soit abrogée. C'est une résolution par laquelle on pouvait accorder un escompte de 1% ou un rabais de 1% pour les gens qui payaient leur compte de taxes avant la première échéance. Donc, cette résolution-là n'a plus lieu d'être là, suite au dépôt du dernier budget municipal. Un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On est donc au service du greffe. 8.6A, échange de terrain, Ville de Gaspé, M. Jean-Marc Cailloute et Mme Doris Côté. Donc, c'est un point qui est déjà passé en 2012. Donc, il y avait des adaptations à faire au niveau des numéros de lot. Donc, la recommandation, qui est assez longue, va comme suit. C'est que la Ville de Gaspé procède à un échange de terrain avec M. Jean-Marc Cailloute en lui cédant le lot 5 160 564 cadastre du Québec en contrepartie du lot 5 150 784 cadastre du Québec. Que la Ville de Gaspé procède à un échange de terrain avec Mme Doris Côté en lui cédant les lots 5 150 780 et 5 150 785 cadastre du Québec en contrepartie du lot 5 150 782 cadastre du Québec. Que ces échanges soient faits sans soulte, que les honoraires professionnels d'arpenteur géomètre et de notaire soient assumés en parts égales entre la Ville de Gaspé et M. Jean-Marc Cailloute, que le conseil municipal mandate M. Robert Connolly, arpenteur géomètre, pour la réalisation des plans requis à la transaction, que le plan d'arpentage soit soumis au directeur de l'urbanisme, de l'environnement et de l'aménagement du territoire pour l'approbation avant de procéder à la transaction, que le conseil municipal mandate Maître Marie-Christine Côté, notaire, pour la préparation des documents, que la dépense d'arpentage soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-459 et que la dépense pour le notaire soit imputée au poste budgétaire 02-140-00-412, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que la présente résolution remplace la résolution 12-08-35. Un proposeur. C'est M. Smith qui propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 8.6B, la fermeture d'une section de l'ancienne route 6 qui concerne le lot 5 291 882 cadastre du Québec pour Mme Jacinthe Fournier. Donc, la recommandation, c'est que le conseil statue et décrète que la section de l'ancienne route 6, connue et désignée comme étant le lot 5 291 882 cadastre du Québec, soit fermée comme chemin public à toute fin que de droit, même si elle avait été ouverte comme chemin public ou est devenue chemin public par destination. C'est M. Kenville qui propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 8.6C, demande de décret d'autorisation pour les programmes projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité, élargissement des cadres de portes, construction d'une salle de toilette accessible et élargissement d'un couloir pour l'aréna de Rivière-au-Nord.
Je vous dirais, ça fait 4 fois qu'on demandait cette subvention-là au gouvernement fédéral. Et enfin, on a une réponse positive. Par contre, ça nous prend une autorisation du gouvernement du Québec avant de pouvoir signer une entente avec le fédéral. Et ces remarques-là que je viens de vous faire concernent le point 8.6C et le point suivant également. Donc, la recommandation ici est que la Ville de Gaspé demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret l'autorisant à accepter les modalités relatives à l'octroi de la subvention proposée par Emploi et Développement social Canada afin de procéder à l'élargissement des cadres de porte, à la construction d'une salle de toilette accessible et à l'élargissement d'un couloir dans l'aréna de Rivière-aux-Nord et que cette demande soit présentée au ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Que la Ville de Gaspé autorise le maire et la greffière à signer tous les documents requis. Un proposeur. C'est M. Coton qui propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Donc, dans le même programme, 8.6D, une demande de décret d'autorisation pour la construction d'une salle de toilette accessible et le réaménagement de 2 entrées à l'hôtel de ville. Donc, la recommandation, c'est que le conseil de ville de Gaspé demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret l'autorisant à accepter les modalités relatives à l'octroi de la subvention proposée par Emploi et Développement social Canada afin de procéder au réaménagement de 2 entrées et de 3 salles de bain de l'hôtel de ville de Gaspé et que cette demande soit présentée au ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire et que, le maire, que la ville de Gaspé autorise le maire et la greffière à signer les documents requis. C'est M. O'Connor qui propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 8.6E, entente pour le versement d'une contribution du CEMO, donc le soutien externe de main-d'œuvre, au financement, service externe de main-d'œuvre, pardon, au financement d'un poste de préposé aux stationnements municipaux. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer une entente avec le CEMO pour le versement d'une contribution de ce dernier au financement d'un projet de préposé aux stationnements municipaux pour une durée d'un an au montant de 21 112 $ ainsi que toute modification à cette entente relative à l'indexation de la contribution. Donc, c'est en réalité, c'est un renouvellement de l'entente qu'on a avec le CEMO pour notre préposé aux stationnements. On aura un proposeur. C'est M. O'Connor qui propose. Ça va pour tout le monde? Je vous remercie. 8.6F, servitude de drainage pour le ministère des Transports du Québec dans le dossier du réaménagement de la route 197 dans le secteur de Rivière-aux-Nord. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accepte les conditions du projet d'entente proposé par le ministère des Transports concernant la constitution d'une servitude de drainage requise dans le cadre du réaménagement de la route 197 dans le secteur de Rivière-aux-Nord. Que les frais de notaire, s'il y a lieu, soient à la charge du ministère des Transports du Québec, que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis à cet effet et que l'acte notarié soit signé avant le 30 septembre 2014. Un proposeur. Je propose. Monsieur O'Coton, Monsieur Coton, pardon, propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 8.6G, entente de service 2014 entre la Ville de Gaspé et Télé-Gaspé, notre télé communautaire. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte les termes de l'entente de service avec Télé-Gaspé pour un montant forfaitaire de 20 000 $ pour l'année 2014, que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis, que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-190-00-343 pour 15 000 $ et au surplus non affecté pour 5 000 $ Donc, c'est une entente qui permet notamment la diffusion des séances du conseil municipal. On a accès aussi aux babillards de notre télé communautaire. Et de plus, nouveauté cette année, bien, c'est la diffusion en direct des séances du conseil sur les ondes de notre télé communautaire. Donc, bref, c'est un lot de bonnes nouvelles. Puis en même temps, on vient soutenir notre télé communautaire. Donc. Oh, on a une double proposition, mais j'ai entendu M. Kenville en premier. M. Kenville propose. Ça va pour tout le monde, cette proposition-là, oui? Oui, oui. Je vous remercie. 8.6H. Cession d'une parcelle de terrain par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour les lots 2 734 056, 2 734 058 et 2 937 559 cadastres du Québec. C'est, ça concerne des terrains qui sont dans le parc industriel de Rivière-aux-Nord. Et la demande en question a lieu, dans le fond, pour but d'aider une entreprise Transport Luctap. Et en même temps, ça va permettre d'accélérer. C'est ce qu'on souhaite, la cession de ces terrains-là, des 3 terrains en question là, par le MAPAC. Donc, c'est ce qu'on vise pour donner un coup de pouce à cette entreprise-là pour assurer son développement. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la greffière à déposer une demande de cession à titre gratuit des lots 2 734 056, 2 734 058 et 2 937 559 cadastres du Québec.
et faisant l'objet dans la promesse de vente susdite auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, que les frais professionnels de notaire et d'arpentage relatifs à l'acte de cession soient à la charge de la municipalité et que le mandat de préparer l'acte requis soit confié à Maître Raymond Gagné, notaire, que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis. Un proposeur. Je propose. Monsieur Coton propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Le point 8.6i s'inscrit exactement dans la même ligne que le dossier précédent. Donc, c'est la vente des lots 2,734,056, 2,734,058 et 2,937,559 Cadaz du Québec à Transport Luc Tap Inc. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé vende les lots 2,734,056, 2,734,058 pour une partie et 2,937,559 pour une partie du Cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Rivière-au-Nord, à Transport Luc Tap Inc., au montant de 10 sous le mètre carré, plus les taxes applicables, donc c'est en vertu de la politique en vigueur pour le développement industriel de notre ville, que l'acquéreur s'engage à consentir à titre gratuit en faveur de la Ville de Gaspé à toute servitude requise aux fins d'utilité publique et que les frais d'arpentage pour la cession des lots susdits par le MAPAC en faveur de la Ville de Gaspé soient à la charge de Transport Luc Tap Inc., que les frais de notaire pour la cession des lots susdits par le MAPAC en faveur de la Ville de Gaspé et la vente de la Ville de Gaspé en faveur de Luc Tap Inc. soient à la charge de ce dernier et que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis. Un proposeur. Je propose. Monsieur Coton propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. On arrive au point de la Direction générale 8.7A. Avril, mois de la jonquille. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal décrète le mois d'avril comme étant le mois de la jonquille et que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Madame Perry propose. Ça va pour tout le monde? Merci. En réalité, c'est une demande qui nous revient depuis quelques années de décréter le mois d'avril, le mois de la jonquille, en soutien à la société, aux efforts de la Société canadienne de cancer, du cancer. 8.7b maintenant, fermeture possible le samedi pour le bureau de poste de Gaspé-Harbour. Donc, encore une fois, je les ai pas comptés, mais depuis qu'on est arrivé en fonction, à toutes les séances, on reçoit toujours une lettre comme quoi il va y avoir des coupures de service dans nos bureaux de poste. La dernière fois, c'était à Lens-Avallo. Les fois précédentes, il y a eu Lens-au-Griffon, il y a eu Cap-des-Rosiers. Avant, il y a eu Rivière-au-Nord. Je ne veux pas en oublier, mais il y en a à toutes les séances. C'est immanquable. Donc, cette fois-ci, c'est au tour de Gaspé, du bureau de poste de Gaspé-Harbour, donc celui situé tout près de l'hôpital. C'est à son tour de subir l'épée de Damoclès du fédéral. Donc, la recommandation ici, c'est que le conseil municipal demande à la ministre responsable de la Société canadienne des postes, l'honorable Lisa Wright, de sursoir à sa décision et de demander à ses représentants locaux de refaire leur devoir afin de maximiser les services offerts à notre population à la même hauteur que les autres citoyens canadiens demeurant dans des villes plus populeuses. On aura un proposeur. Monsieur Smith propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 8.7c, directive de modification numéro 1 pour la construction d'un entrepôt froid au 1 rue des Cotons, donc de façon adjacente là, à l'ancienne usine de GDS qui appartient maintenant à la municipalité. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le mandat d'effectuer les travaux requis par la directive de modification numéro 1 dans le cadre du projet de construction de l'entrepôt froid au 1 rue des Cotons à construction GMHG pour un montant de 1 538,24 $ plus les taxes applicables. Et que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1060-09, c'est les projets de legs suite aux fêtes du 475e. Donc, on aura un proposeur. Propose. Monsieur Smith propose. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive à la 8.7D, directive de modification numéro 2 pour le même projet, là, la construction d'un entrepôt froid au 1 rue des Cotons. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le mandat d'effectuer les travaux requis par la directive de modification numéro 2 dans le cadre du projet de construction de l'entrepôt froid au 1 rue des Cotons à construction GMHG pour un montant de 2,372,98 $ plus les taxes applicables et que le montant soit lui aussi imputé au règlement d'emprunt 1060-09 concernant les legs du 475e. Un proposeur. Je propose. Monsieur Smith propose. Ça va pour tout le monde? Juste pour bien rappeler aux gens, le règlement d'emprunt des legs du 475e, c'est une subvention à 85 % de la part du gouvernement du Québec. Donc, il y a un 15 % assumé par la Ville, un 85 % assumé par le gouvernement du Québec. Donc, ça nous a permis de faire quand même beaucoup de travaux dans les dernières années. Et dont cet entrepôt froid-là qui prend place à côté de l'ancienne usine GDS et qui sert à loger des équipements municipaux.
On arrive maintenant au point 9, l'adoption des règlements. 9A, adoption du règlement 1238-14. Monsieur le greffier adjoint. Oui, M. le maire, considérant que les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement deux jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture, et de ce fait, selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il serait proposé par un conseiller et résolu que le règlement portant le numéro 1238-14, règlement décrétant l'acquisition de véhicules et un emprunt de 950 000 soit adopté. Donc, est-ce qu'on aurait un proposeur? C'est M. Smith qui propose. Ça va pour tout le monde? Je vous remercie. En réalité, c'est pour remplacer des équipements roulants qui tombent en désuétude. Tous les véhicules de tout le monde finissent toujours par vieillir. Dans le cas des véhicules municipaux, c'est la même chose. On a une planification à court, moyen et même long terme sur le remplacement de nos véhicules. Ça va en fonction de l'usure. On les entretient jusqu'à la corde, jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de s'en servir. Bien là, on est rendu à en remplacer certains. Donc, c'est un processus qui est tout à fait normal dans ce cas-ci. Donc, on arrive au point 9B maintenant, l'adoption du règlement 1239-14. Monsieur le greffier adjoint. Oui. Considérant que les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement deux jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il serait proposé par un conseiller et résolu que le règlement portant le numéro 1239-14, règlement décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Gaspé et remplaçant le règlement 1153-11 soit adopté. Ça me prend. Monsieur Canville propose, ça va pour tout le monde? Oui. Je vous remercie. Donc, on vient mettre à jour notre code d'éthique, ce qui est très important de nos jours particulièrement. Vous aviez à l'ordre du jour un point 11A qui est rayé, était inscrit par erreur. Le comité consultatif d'urbanisme était à la séance précédente, donc il n'y a pas lieu d'être, donc on peut le rayer. On arrive maintenant aux affaires nouvelles, au point 12, et on en a quelques-unes. Point 12A, une commandite pour le colloque éolien là, qui est piloté par notre technocentre éolien. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la ville de Gaspé à participer comme commanditaire pour un montant de 2 000 plus les taxes applicables, qui correspond au commanditaire bronze visibilité dans le plan de commandite, et que cette dépense soit imputée au code budgétaire 02-621-10-999. Donc, c'est pour cette année, le colloque en question a lieu sur le territoire de la ville de Gaspé. Et comme on est un acteur, je pense, qui veut soutenir le développement de l'éolien, je pense que c'est toujours bienvenu de soutenir ce type d'activité-là. Donc, ça me prendra un proposeur. Et c'est M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Point 12B, on parle de la vente du journal Le Farion et de 73 autres journaux hebdomadaires de Sun Media à Transcontinental. Donc, sans refaire toute l'histoire, on sait que il y a quelques mois déjà, la compagnie Transcontinental a acheté tous les hebdos de Québécois, particulièrement ceux dans l'Est du Québec, et dont notamment celui qui couvre notre territoire à nous, le Farion. Il y a certaines personnes qui se sont levées pour manifester leurs inquiétudes vis-à-vis cette nouvelle situation, je dirais, de monopole, puisque Transcontinental avait aussi un journal qui desservait notre région. Donc, il y a certaines inquiétudes quant à la baisse de services qu'on pourrait avoir suite à cette transaction-là. Donc, nous, notre but, c'est de manifester cette inquiétude-là. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé manifeste son inquiétude quant à la transaction entre Transcontinental et Sun Media, notamment quant à d'éventuelles fusions et fermetures pouvant créer un monopole dans le secteur de la presse écrite. Qu'en raison de ce nouveau monopole, cette inquiétude soit transmise au Bureau fédéral de la concurrence aux fins d'analyse, que la Ville de Gaspé invite les organisations socio-économiques de son territoire, les municipalités environnantes, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l'Association des journalistes indépendants du Québec, ainsi que le député fédéral et les députés provinciaux de la région, à enjoindre le mouvement en manifestant eux aussi leur inquiétude, notamment au Bureau de la concurrence du Canada. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Kenville propose. Ça va pour tout le monde? Merci. Dossier, modification à la résolution 14-01-10 pour le déneigement d'un tronçon de la rue Martin, secteur nord. Donc, la recommandation, c'est que le paragraphe suivant soit ajouté à la fin de la résolution 14-01-10, donc que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Monsieur Coton propose, ça va pour tout le monde? Donc, ça fait suite à une entente qu'on a pour le déneigement de la nouveau tronçon de la rue Martin là, qui fait suite au nouveau réaménagement de la route dans ce secteur-là.
On arrive maintenant à 12D. Octroi d'une aide au centre de ski du Mont-Béchervaise pour l'organisation d'activités de promotion. Donc, ça concerne les activités Ski Bouge et la journée de la municipalité là, qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Donc, pour ces activités qui ont lieu à prix réduit, donc ce qu'on demande, c'est une contribution de la ville pour ces activités-là. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accorde au centre de ski du Mont-Béchervaise 2000 Inc. une aide financière de, d'abord, 2 250 $ pour l'aider à couvrir ses activités de promotion-là, et en plus d'un montant de 696 $ et 30 $ qui sera dans le code budgétaire, celui-là, 02-702-90-999. Le premier 2 250 $ était dans le code budgétaire 02-701-80-971 et que ces sommes-là, au fond, soient versées sur réception d'un rapport d'activité détaillant les activités réalisées ainsi que leurs coûts. Ça me prendra un proposeur. Monsieur Kenville propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Je vous remercie. 12E, équipement Internet pour le projet de salle de spectacle de Gaspé. Donc, l'objectif est d'équiper la salle, les bureaux, les loges, tout ça, d'un équipement qui sera autonome des équipements de l'école où se trouve la salle de spectacle. Et ça cadre dans les budgets de scénographie là, déjà prévus pour la salle. Donc, ce n'est pas des dépassements de coûts, c'est juste des autorisations de paiement ou des ajustements là, au niveau du budget de scénographie. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise les services administratifs à commander le matériel nécessaire pour ajouter un réseau spécifiquement dédié à la téléphonie et aux liaisons Internet de la salle de spectacle auprès des deux fournisseurs suivants. D'abord, auprès de Wesco Distribution Canada LP, au montant de 11 031 $ et 75 $ plus taxes, et auprès de MIG Informatique Inc., au montant de 1 390 $ plus taxes, que le directeur des services administratifs soit autorisé à procéder au paiement des sommes dues en vertu de ses commandes et que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1109-10 concernant la salle de spectacle. Madame Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Et encore là, ça fait suite à des appels de propositions. Et on est allé avec les plus beaux soumissionnaires. On arrive au 12F, aide à l'Association du hockey mineur de Gaspé pour l'organisation de la Coupe Dodge 2014. La recommandation, c'est que le conseil municipal confirme à l'Association du hockey mineur de Gaspé l'octroi d'une aide financière totale de 5 000 $ pour l'organisation et la tenue du championnat provincial de hockey de la Coupe Dodge qui aura lieu du 16 au 20 avril 2014 et que la somme soit imputée au code budgétaire 02-702-90-999. Un proposeur. Madame Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 12G, demande de subvention au ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire concernant le garage municipal. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte que soit déposée une demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire dans le sous-volet 5.1 du programme d'infrastructure Québec municipalité et ce, dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement d'un nouveau garage municipal dans les installations de l'ancienne usine GDS. Qu'advenant d'acceptation du projet par le MAMRO, le conseil municipal accepte de verser sa part des coûts admissibles au projet et à l'exploitation continue du projet et que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer tous les documents requis à cette fin. Monsieur Smith propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Bon, en réalité, on a déjà eu une demande qui a été déposée, je crois que c'était en 2013, avec le précédent conseil municipal pour exactement le même dossier. Donc, on l'a actualisé et on la présente de nouveau. On a parlé tout à l'heure de problèmes d'érosion tout près du garage municipal actuel. Donc, ça s'inscrit un peu dans cette même problématique-là. Donc, on veut déménager notre garage municipal éventuellement. Mais c'est sous réserve d'obtenir des aides financières appropriées. Point 12H, acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de l'Assemblée de consultation concernant le premier projet 1156-11-12, donc c'est l'ouverture de zones là, sous des prescriptions forestières pour du développement d'activités forestières. Je laisse la parole à M. le greffier. Oui, M. le maire, il est proposé par un conseiller résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11 décrit ci-après soit accepté. Règlement 1156-11-12, amendant le règlement de zonage 1156 en ajoutant un premier paragraphe sous le titre « Travaux autorisés » de l'article 17.2.1. Remplaçant le premier paragraphe du sous-titre « Travaux d'abattage d'arbres de type A » de l'article 17.2.1 « Travaux autorisés », modifiant les usages autorisés dans les zones AF106, AF110, AF136, AF159, PA101, PA103, RT140, RT141,
RT-153, RT-156 et RT-160, afin d'y retirer l'usage spécifiquement prohibé, exploitation forestière et services connexes 83, modifiant les usages autorisés dans les zones A-171, A-171-1, A-172 et A-179 afin d'y permettre l'usage foresterie A-3, que l'Assemblée de consultation soit tenue à l'Hôtel de Ville le lundi, mardi 22 avril à 16 heures. Merci beaucoup, M. le greffier adjoint. On aurait un proposeur. Je propose. Bon, M. Smith propose, ça va pour tout le monde? Merci. Donc, en réalité, c'est un projet de règlement. Comme on l'a déjà dit, on veut réouvrir progressivement certaines zones à des coupes forestières de façon vraiment bien structurée, bien organisée. Donc, c'est un autre pas dans cette direction-là. On avait déjà pris un premier pas, là, il y a déjà, je vous dirais, au moins un mois et demi. Donc, on réouvre progressivement certaines zones, mais toujours sous des réserves. On a toujours notre impératif de protection des paysages qui s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc, on travaille vraiment de façon étroite avec le groupement forestier à ce sujet-là. Donc, on vient de nouveau de faire un pas dans la bonne direction sur ce dossier-là. Donc, au point 12i maintenant, ça concerne le bureau de poste de Gaspé. Donc, ce qu'on a entendu parler dans les dernières semaines, c'est une possibilité de voir... En réalité, ce qu'on a su, c'est qu'il y avait une possibilité de voir un comptoir postal privé s'implanter tout près du bureau de poste principal de Gaspé, là, le bureau de poste du centre-ville de Gaspé. Donc, on comprend qu'il y a des inquiétudes reliées à la perte de services et à la perte aussi d'emplois. On ne veut pas perdre ces emplois-là chez nous. Donc, je pense que comme conseil municipal, on ne veut pas perdre de services, on ne veut pas perdre d'emplois. Donc, encore une fois, on a à se positionner. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ouvre un comptoir privé juste à côté du bureau de poste principal, on l'a vu, c'est arrivé aussi notamment à Matane puis à Mont-Joli. Donc, ils sont rendus à Gaspé. Puis, je pense que c'est arrivé ailleurs aussi. Donc, on ouvre un bureau de poste privé avec un employé qui peine à suffire à la tâche. On coupe dans les services. Bref, on n'offre pas la même qualité de service. Par contre, on vient en même temps justifier une diminution d'achalandage au bureau de poste principal. Puis ça fait en sorte que, ayant moins d'achalandage, bien, le gouvernement est justifié de venir mettre la hache dans nos bureaux de poste. Fait que c'est une façon un peu détournée de venir, encore une fois, couper dans les services qu'on a dans nos régions. Puis ça, bien, je l'ai déjà exprimé dans les médias, mais je tenais à le confirmer, cette position-là, à la faire confirmer par le conseil municipal. Donc, on arrive avec la recommandation suivante, c'est que le conseil municipal demande à la ministre responsable de Postes Canada, l'honorable Lisa Wright, elle va commencer à nous trouver fatiguant, Mme Wright, parce qu'à tous les séances, on parle d'elle, mais on lui demande de sursoir, encore une fois, à toute démarche visant à la fermeture ou une diminution de service au bureau de poste du centre-ville de Gaspé. Et Mme Perry propose. Que si la population désire nous supporter dans cette action-là, actuellement, il y a une pétition qui est en démarche et on peut le retrouver dans différents lieux publics à Gaspé et également à l'entrée principale du bureau de poste. Ce matin, il y avait au-delà de 1850 signatures qui figuraient à cette pétition-là et on pourrait peut-être la joindre à notre résolution. Lorsqu'on va transmettre ça à Mme la ministre? Ce serait une excellente suggestion. Bref, on pourra en faire, que ce soit dans le même envoi ou dans un envoi subséquent, peu importe. Mais l'important, c'est que autant que le conseil municipal que la population du Grand Gaspé se fassent entendre vis-à-vis ces nouvelles... Je dirais que c'est des coupures qui arrivent toujours en douceur. On nous prend toujours tranquillement un petit bout à la fois. Puis on nous arrive avec une possibilité qui va vraisemblablement se concrétiser. Puis ensuite, on va arriver en disant non, on ne veut pas fermer le bureau de poste, sauf qu'on va voir dans un an ou deux ou trois qu'il y aura plus d'achalandage, qu'il va y avoir moins d'achalandage au bureau de poste. Puis là, ça va venir justifier le fait qu'ils vont mettre la hache. Puis ça, on est aussi bien de se positionner tout de suite, puis de mettre nos culottes tout de suite, puis de dire qu'il n'y en est pas question. On a besoin de ces services-là. On a des employés compétents qui travaillent dans nos bureaux de poste. Puis autant au centre-ville que dans toutes les autres là, qui sont menacés de coupure. Écoutez, on n'a pas moyen de perdre ces services-là dans nos régions. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il va falloir que la ministre entende raison à un moment donné. Donc, la recommandation qu'on a faite a été proposée par Mme Perry. Et est-ce que c'était unanime? Oui. Merci beaucoup. On arrive au 12J, une demande de subvention au MAMRO concernant la mise à norme des installations de distribution d'eau potable du secteur de l'Anse-aux-Griffons.
Dossier assez complexe et qui dure depuis plusieurs années. On a peut-être une piste de solution à regarder avec le MAMRO et c'est l'objet de notre recommandation. Donc, c'est que le conseil municipal demande au ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire de lui accorder son soutien financier afin de lui permettre de régulariser la mise en ordre des installations de distribution d'eau potable du secteur de l'Anseau-Griffon. Que le même ministère, le MAMRO, autorise la ville de Gaspé à ne pas faire de recherche en eau souterraine supplémentaire et l'autorise à discuter avec l'entreprise La Crevette du Nord-Atlantique afin d'utiliser le projet en cours par cette entreprise-là afin de régulariser sa propre situation. Donc, on va faire une pierre deux coups. Les Crevettes du Nord ont un projet aussi d'alimentation en eau potable pour leur usine et on avait un projet municipal qui, force est d'admettre, n'a pas bien fonctionné malgré tous les travaux et tous les efforts qui ont été faits. Donc, ce qu'on propose c'est de, au ministère, c'est de fusionner les deux projets ensemble pour alimenter notre population en eau potable et en même temps que l'usine soit elle aussi alimentée. Donc, et le dernier bout de la recommandation, c'est que cette demande soit également adressée au ministre régional et ministre délégué aux régions, M. Gaétan Lelièvre, un proposeur. Bon, merci de la proposition, M. O'Connor. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Oui. Merci. Et on a un dernier point au 12K concernant une aide financière au Centre culturel Le Griffon. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de verser une aide financière de 12 500 $ au Centre culturel Le Griffon pour les travaux réalisés sur leur immeuble et que cette somme soit puisée au surplus non affecté. Ça concerne les travaux qui ont été effectués l'an dernier avec la période d'élection municipale, les ajustements à faire après, la période budgétaire, etc. Bien, le dossier a tardé un petit peu. L'aide financière auquel s'est engagé moralement, si on veut, la municipalité, mais ça a tardé avant qu'on l'amène au conseil. Bon, on l'amène au conseil ce soir pour autoriser le versement. Donc, est-ce qu'on aura un proposeur? Oui, je propose. Monsieur O'Connor propose. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Donc, on arrive maintenant au point 13, la période de questions du public, d'une durée maximale de 30 minutes. Chaque intervenant doit s'identifier et le droit de parole de chacun est limité à un maximum de 5 minutes. Alors, ce que j'aimerais savoir ce soir, c'est si vous avez reçu la liste des ruisseaux qui sont contaminés, étant donné que nous, on a une membre dont le puits d'eau potable est à côté d'un des ruisseaux dans la montée Sandy Beach. On aimerait savoir si vous avez reçu cette liste-là de ruisseaux, comme on sait, qui avait été dit contaminé par l'Institut national de recherche scientifique. Alors, est-ce que vous avez cette liste-là? Non, la réponse est négative, on n'a pas reçu la liste en question. OK. Autre question, est-ce que vous avez eu des nouvelles au sujet du gaz qui fuit depuis un an et demi autour du forage numéro 1? Non plus, je vous dirais, on n'a pas... Ben, en tout cas, je me réfère aux officiers non plus. Non plus, on n'a pas eu de nouvelles spécifiques vis-à-vis ce dossier particulier-là. Parfait. Et est-ce qu'il y a comme un échéancier? Est-ce que vous avez une idée de quand vous allez avoir des nouvelles? J'aimerais bien pouvoir vous confirmer quoi que ce soit ce soir à ce sujet-là, mais bien honnêtement, on n'a pas ni d'échéancier ni de confirmation de quoi que ce soit. Puis je vous dirais que, comme on travaille avec le milieu politique, je pense que ça va prendre encore quelques mois avant qu'on ait des nouvelles, là, vu l'évidence d'élections provinciales qui arrivent et vu que c'est le gouvernement provincial qui est responsable de tout ce dossier-là. Fait que je présume que, à moins qu'on ait des nouvelles de la part d'employés gouvernementaux, de la part de fonctionnaires, sinon, si on attend des nouvelles du côté politique, ça risque de prendre encore quelques mois, malheureusement. Parfait. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Oui, M. Dupuis. Bonsoir, Jean-Yves Dupuis. Hop. Je pense que vous me voyez venir. Je vous vois. Venir, je ne sais pas, mais je vous vois. D'entrée de jeu, vous m'avez facilité mon intervention quand vous avez ressouligné dans votre présentation en début de réunion le citoyen au cœur de nos préoccupations. Bien, la ville de Gaspé aussi a des citoyens qui sont au cœur des préoccupations de leur ville. Et je vous amène à... Aujourd'hui, je vous ai envoyé une lettre concernant le dossier de la salle de spectacle et les échevins en ont eu chacun une copie également. C'était l'objet de ma lettre était de demander que la salle de spectacle porte le nom de la salle Gilles Briand de Gaspé.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le document d'accompagnement. Je pense que dans votre campagne électorale, vous avez souligné l'importance de l'engagement du citoyen dans sa communauté. Et Gilles Briand était un de ces bâtisseurs de culture, d'activités communautaires à la ville de Gaspé. Pour les anciens comme M. Canville, Mme Aline Perry qui a travaillé avec Gilles, je pense qu'on n'a pas besoin de présentation. Vous aurez l'occasion de lire vraiment toute l'argumentation qui soutient ma demande. Et puis, probablement qu'il va y avoir bientôt un comité de mise en place pour faire un petit peu un documentaire sur la vie de Gilles, qui a travaillé en culture, au niveau religieux, au niveau communautaire, les fêtes 84, les Jeux du Québec, ainsi de suite, jeunesse musicale, tournoi à tombe, mettons-en encore. Ça fait que j'ose espérer que vous prendrez le temps de considérer cette demande-là, puisque Gilles a été vraiment un citoyen significatif au niveau du développement de la culture. D'autant plus qu'il a œuvré en éducation, et ça tombe bien, la salle de spectacle est dans notre polyvalente, et ça serait vraiment un bon signe, un beau clin d'œil à donner à Gilles, et aussi un beau message à lancer également quand on développe des infrastructures pour les rendre significatifs avec quelqu'un, en référence à quelqu'un qui a déjà mis œuvré dans son milieu. Et je demande aux citoyens qui nous écoutent d'en parler à leur échevin, leur échevine, pour essayer de mettre une petite pression, puisque je pense que c'est le conseil municipal qui va avoir à prendre la décision dans ce dossier-là. Et Mme Perret, qui est porteur du dossier culture, je pense que vous êtes bien placée pour défendre ce dossier-là, et je vous en remercie. Et puis, j'aurais deux petites questions d'information. Oui. Vous avez parlé d'un réservoir d'huile usée hors sol. Est-ce que c'est au lieu d'enfouissement technique ou à quelque part où on va pouvoir aller? Non, en fait, c'est pour les besoins du garage municipal de Gaspé. Donc, il y avait déjà un réservoir en place qui est vieux, âgé, désuet, qui mérite d'être remplacé. Donc, c'est pour les huiles usées produites par les véhicules municipaux. Donc, pour les fins de recyclage, ces huiles-là, ça prend des conteneurs, un réservoir là, approuvé. Donc, c'est un réservoir de ce type-là qu'on achète. Et au point 8.7C, il était question de construction d'un entrepôt froid. Oui. Pouvez-vous nous expliquer? C'est quoi un entrepôt froid? Non, mais un entrepôt froid au garage GDS. En réalité, il va servir à quoi? Il fait assez froid. Oui, en fait, c'est un entrepôt pour du stockage de matériaux qui n'ont pas besoin d'être gardés à la chaleur. Donc, un entrepôt froid, c'est un entrepôt qui a. C'est pas un frigidaire. Qui n'a pas de chauffage, qui n'est pas isolé, qui est vraiment c'est un abri. C'est un genre d'abri permanent, mais qui n'a pas besoin ni d'isolation ni de chauffage. Et dans ce cas-là, c'est pour entreposer toutes sortes de matériaux qui ont rapport aux travaux publics, là, des tuyaux, etc. Ouais, ça peut servir à diverses fins. En terminant, un petit truc pour le dossier du comptoir postal qui veut s'installer, donnez pas de permis. Merci. On en prend bonne note, merci. Et juste pour revenir, c'était pas nécessairement une question. Vous avez parlé de la salle, de donner un nom à la salle de spectacle. Je vous dirais, on en prend bonne note. Je vous dirais, on est loin d'être rendu là. Puis c'est la même chose, on a eu des demandes du même type concernant le bâtiment communautaire de Rivière-aux-Nord. Donc, on sait que ces bâtiments-là sont présentement, ou ces infrastructures-là sont présentement anonymes. Donc, ce qu'on a comme objectif, c'est de regarder tout ça avec la population. Je vous dirais, il n'y a pas d'urgence en la demeure, mais on reçoit ces demandes-là. Puis je vous dirais, c'est M. Briand mériterait bien d'avoir une infrastructure à son nom avec tout ce qu'il a fait pour notre municipalité. Donc, je vous dirais, on reçoit bien votre demande. On va lire évidemment la documentation que vous nous avez envoyée aujourd'hui même par courriel. On va prendre connaissance de tout ça. Puis, avec nos partenaires, avec CD Spectacle, avec la commission scolaire notamment, bien, on va regarder tout ça. Puis, que tout le monde soit à l'aise et surtout que toute la population soit à l'aise avec le choix d'un nom que pourra avoir éventuellement cette salle-là. Donc, je vous remercie de votre suggestion, sincèrement. Donc, on va s'en parler. Daniel Rioux, citoyen dans le domaine. Oui. Tout
près de la rue Forêt, il y a une avenue ou une petite, je ne sais pas quel nom qu'elle porte, la rue Toundra. Oui. Elle a fait l'objet d'un reportage de Radio-Canada où il y avait une fuite au puits. Et puis, je sais qu'il y a eu une demande au ministère de l'Environnement à savoir qu'est-ce qu'il en était de ce puits-là. Est-ce qu'il y a eu une réponse qui a été donnée officiellement? Je vous dirais, officiellement, les réponses, en tout cas, moi que je me trompe, moi, je n'ai pas vu de réponse officielle nous arriver. On a eu des discussions. Jusqu'à tout récemment encore, on a encore eu des discussions avec, je vous dirais, c'est avec le cabinet de notre ministre régional, à savoir qu'est-ce qui pouvait se passer dans ce dossier-là, parce que nous aussi, la situation nous inquiète, parce que, écoutez, on se retrouve avec un vieux puits de pétrole juste au bout de la rue Toundra qui fuit, qui fait une nappe de substances visqueuses que l'on ose croire que c'est du pétrole, hein. Une substance qui a toute l'apparence du pétrole, une grosse nappe à côté d'un ancien puits. Il y a des enfants qui habitent dans ce secteur-là, qui vont jouer dans le bois. Il y a cette grosse flaque de substance-là qui se retrouve juste là, au milieu, comme ça, d'un terrain de jeu pour enfants, pratiquement. Là. Je vous dirais que nous, ça nous a inquiétés dès le départ. Ça a inquiété les autorités gouvernementales aussi au départ, sauf qu'à un moment donné, ben, on a arrêté d'en entendre parler. On a reposé des questions récemment de façon verbale. Je vous dirais que on n'a pas encore les réponses auxquelles on s'attend, puis on a hâte aussi, tout comme vous, puis comme tous les citoyens, puis comme tout le monde, je pense qu'on a hâte d'avoir des nouvelles positives. Quant au moins à ce puits-là, je comprends qu'il y a peut-être d'autres puits de pétrole ou de gaz qui fuient ailleurs en Gaspésie. Il y en a peut-être d'autres qui fuient. Mais je comprends que là, on en a un qui est tout près des habitations, dans un secteur où s'amusent des enfants. Je pense que lui devrait être traité de façon prioritaire et s'il faut se concentrer sur les 80 quelques autres puits qu'il y a eu en Gaspésie, on peut les faire un par un aussi. Là. Puis lui, je pense qu'il est prioritaire. Je pense que le message a été entendu. Mais tout comme vous, bon, on attend des résultats à ce dossier-là. Si je comprends bien, on n'a pas souvent des nouvelles du ministère de l'Environnement. Sur ce dossier-là, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. On est en attente. C'est on ce est toujours en attente. Aussi. Merci. Merci, M. Rioux. Bonsoir. Angèle Bélanger, je suis une citoyenne de Gaspé. J'ai une question. J'ai des amis qui ont eu une analyse de l'eau de leur puits et ils ont reçu le résultat, mais c'est un résultat qu'ils ne peuvent absolument pas interpréter. Ils m'ont montré ça. Et moi, j'y comprends rien non plus. Est-ce qu'on pourrait penser que la ville de Gaspé pourrait avoir du support du ministère de l'Environnement pour aider? Tu sais, ça, même si on avait 200 citoyens qui font faire des études de l'eau de leur puits, si personne peut leur dire ce que ça veut dire, on n'est pas plus avancé. Alors, je ne sais pas si le ministère de l'Environnement pourrait vous supporter là-dedans. Bien, en fait, bien, merci pour votre question. En fait, on a reçu il y a déjà quelques semaines, là, le temps passe vite, on a reçu une information du ministère de la Sécurité publique à l'effet que, suite à des analyses, je pense que c'est des analyses dans le cadre des études hydrogéologiques là, du secteur d'Haldeman, que suite à ces analyses-là, qu'il y avait trouvé des substances, notamment, on nous parlait de méthane, qui avait été trouvé en faible concentration, mais quand même du méthane qui s'était trouvé dans des puits d'eau potable qui avait été testé. Donc, on a été évidemment alertés par la question. On a posé des questions et tout ça. Puis, ce qu'on a compris, c'est que c'était au ministère de l'Environnement de contacter ces gens-là. Aussi, les gens avaient des questions, plutôt parce que ce n'est pas tous les puits qui ont été analysés. Il y en a des puits que l'eau était impeccable, que l'eau était numéro un. Donc, ces gens-là, il n'y a pas nécessairement de problématique. Par contre, ceux qui ont des problématiques, quand même, nous autres, quand même qu'on vous dirait qu'on a l'expertise à la ville de Gaspé pour répondre à ces questions-là, ce serait vous mentir. Fait que ce qu'on se dit, c'est que le ministère de l'Environnement a des spécialistes, des gens formés pour interpréter ces résultats-là, pour informer la population, et on leur a déjà demandé de faire leur travail. Puis en même temps, j'en profite pour passer le message aux gens qui sont concernés. S'il y a des gens qui ont reçu cet avis-là d'un ministère, je ne sais pas si c'est l'Environnement ou la Sécurité publique qui a envoyé les avis, mais bon, si on a reçu un avis du gouvernement du Québec, comme quoi il y avait une possibilité de substance quelconque dans vos puits d'eau potable suite à des analyses qui ont été faites, appelez le ministère de l'Environnement à Saint-Anne-des-Monts. Saint-Anne-des-Monts, le ministère de l'Environnement, il y a des gens qui sont formés pour répondre à ces questions-là. Et c'est eux qui sont les responsables non seulement de l'interprétation des résultats, mais de l'information du public à l'égard de ce qui a pu être trouvé dans le cadre de ces tests-là, puisque c'est eux autres qui parrainent les tests.
Donc, j'invite vraiment la population à contacter le ministère de l'Environnement pour toute question à ce sujet-là. Et écoutez, le ministère est là pour répondre aux questions des gens. Mais c'est suffisamment important pour que les individus concernés soient vraiment informés directement. Parce que je ne sais pas s'il y a bien des gens qui vous entendent quand vous venez de les inviter, mais il me semble que le ministère de l'Environnement devrait communiquer d'une certaine façon avec ces gens-là, ou bien sur leur rapport, de dire, écoutez, communiquez avec nous. Mais moi, ce que j'ai vu, ça ne paraissait pas là-dessus. OK. Donc, le ministère de l'Environnement, sûrement, a à faire des efforts au niveau de l'information des gens. Mm-hmm. En fait, ce que vous nous dites, c'est sur la lettre que les gens ont reçue, il n'y a pas d'invitation à communiquer avec le ministère de l'Environnement. Bien, pas à ma connaissance. OK. Mais okay. Moi, je trouve que pour adresser des rapports comme ça à des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, c'est très scientifique. Ça n'a pas de bon sens. Mm. Mais la personne, admettons qu'il n'y a vraiment rien, mais qu'est-ce qui lui dit qu'il n'y a rien, cette personne-là? Elle est inquiète encore. Oui. Merci, Mme Bélanger. En fait, puisqu'on n'a pas nécessairement de micro pour répéter pour la population, c'est qu'en fait, ce que M. Villeneuve nous précisait, c'est qu'au mois d'avril, le ministère de l'Environnement devrait venir ici pour expliquer où est-ce qu'ils en sont rendus avec l'étude hydrogéologique. Puis en même temps, ils pourraient répondre aux questions des citoyens. Normalement, ça devrait se faire en assemblée publique. En tout cas, c'est l'information dont on dispose présentement. Puis ce qu'on nous avait dit aussi, là, on n'a pas vu toutes les lettres qui ont été envoyées aux citoyens. Là, c'est des relations entre le gouvernement et les citoyens. Mais ce qu'on nous avait dit, c'est que c'est que dans les lettres que le ministère de l'Environnement a envoyées aux citoyens, c'est qu'on allait inviter les gens à communiquer avec le ministère de l'Environnement pour avoir plus de précision. C'est peut-être pas le cas dans tous les cas, là, selon ce que Mme Bélanger nous dit, mais nous, c'est vraiment l'information qu'on avait eue, puis on avait insisté là-dessus aussi. Donc, évidemment, il y aura des précisions et des développements à faire dans les prochains jours, mais ce que M. Villeneuve nous dit, c'est qu'elle a vérifié aussi avec le ministère en question pour s'assurer que les gens concernés puissent au moins avoir une place où se renseigner sur qu'est-ce qui se passe avec leur eau potable. C'est important. Merci. Oui. Bonjour. Natasha Williams, résidente de Douglastown. Je venais a priori ici pour témoigner de mes inquiétudes qui sont partagées comme beaucoup d'autres résidents de Gaspé sur la question du pétrole. Mm-hmm. Puis bon. Mais en fait, mon intervention ne traitera pas de cette question-là. C'est seulement mon deuxième conseil municipal à vie, donc je peux comprendre que je suis néophyte, mais je m'interroge en fait sur les dispositions ou les efforts que fait la ville de Gaspé pour rendre les conseils municipaux plus accessibles pour les citoyens et les citoyennes, parce que, j'étudie en sciences politiques. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui est complètement détaché du fait politique, mais j'ai l'impression que dans la façon dont sont présentés, notamment le conseil municipal qui est ouvert à la population puis qui est télédiffusé, c'est extrêmement hermétique comme contenu. Puis c'est super difficile à suivre. Puis je me demande si ça a déjà été un élément qui a été réfléchi sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus facile pour les gens de... Mais quand on l'écoute à la télévision, quand on se présente ici, ce sera facile de suivre les différents points de l'ordre du jour. Tu sais, quand on parle de l'eau ou d'ouvrir des lots pour la foresterie ou tel dossier, bien, si on ne suit pas le dossier depuis X nombre d'années puis qu'on n'a pas discuté du dossier dans les détails, il n'y a pas vraiment moyen de savoir de quoi il est question. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Je reçois bien votre question. Je vous dirais, bien honnêtement, on a toujours beaucoup de points à passer dans les séances du Conseil. Je suis nouveau, moi aussi, à cette table-là. J'essaie, avant de passer un point ou après l'avoir passé, de donner quelques petites informations sommaires. Je sais que je parle assez vite et c'est un vilain défaut, mais je ne veux pas endormir les gens non plus en parlant trop lentement. Mais j'essaie toujours de donner quelques petites informations quand même ou quelques indications sur c'est quoi ce dossier-là. Souvent, si on se met à les expliquer de long en large, bien, chaque point devrait prendre
une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, puis on va passer trois points par séance, puis tout le monde va vouloir aller se coucher, donc le monde va s'endormir quand même et on n'aura pas passé tous les points de décision sur lesquels on devrait plancher. C'est pour ça que ça, oui, ça va vite, mais il y a toujours beaucoup de points. J'essaie de les expliquer du mieux que je peux, ou à tout le moins de les mettre en contexte, puis de donner quelques petites informations minimales pour au moins que les gens soient un petit peu au courant de qu'est-ce qui s'en vient. Mais je vous dirais que c'est pas évident de tout résumer, chacun des points, tout ce qui est derrière, avant de les passer, parce que je pense qu'on s'en sortirait tout simplement pas. Les dossiers les plus, je vous dirais, les plus importants. Si on est sur un paiement de facture de 3-4 nic-nac, bien, on ne s'attardera pas là-dessus longtemps, mais sur les dossiers plus importants, bien souvent, on va prendre un peu plus de temps pour les expliquer, mais vous avez raison, si c'est la première fois que vous entendez parler du dossier des zones forestières, vous avez raison que, oui, j'en ai parlé en 2 minutes, mais même pas 2 minutes, peut-être en 30 secondes. Je l'ai passé vite, mais ça fait déjà 3 ou 4 séances qu'on en parle. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas tout le temps y revenir et recommencer la même explication depuis le début. Vous parliez tout à l'heure aussi du dossier pétrolier. Lui, on y revient toujours de façon plus large et plus approfondie à chaque séance, puisqu'on s'entend que c'est une préoccupation citoyenne qui est bien présente, puis aussi que le dossier est vraiment aussi complexe et a besoin d'être bien compris. Ce qu'on a senti dans ce dossier-là, c'est qu'il y avait souvent des incompréhensions, où des gens voyaient, la face qu'on voyait souvent, des gens qui vont dire la municipalité est 100% pro-pétrole, puis d'autres vont dire la municipalité empêche tout développement pétrolier. On se dit, pour éviter des différentes interprétations de même, on est peut-être mieux d'expliquer et de réexpliquer notre position, quitte à répéter les mêmes phrases à chaque séance, mais à un moment donné, il y a des dossiers aussi importants que ça sur lesquels on planche plus longtemps. Mais on essaie de les rendre le plus convivial possible. Il y a des choses avec lesquelles on est un peu pris. Exemple, tous les numéros de règlement d'emprunt, les numéros de code budgétaire, tous les numéros de l'eau, par exemple. On est obligé des données. J'aimerais bien vous en épargner puis rendre les séances moins lourdes, mais on n'a pas le choix. Fait qu'on est un petit peu coincé avec ça. Sinon, bien, on va. Je reçois très bien votre suggestion. On va y aller en s'améliorant et en faisant de mieux en mieux pour que les gens comprennent le plus possible ce dont il est question dans nos séances. C'est sûr que les dossiers sont mâchés par le conseil municipal avant d'arriver. Donc, les conseillers sont toujours bien au fait de tous les dossiers. Ils ont eu l'occasion de poser toutes leurs questions. On a eu des discussions. Souvent, on a ajusté des points. Pour ça, même qu'on pourrait arriver avec tous les projets de résolution puis les mettre sur la table-là, sauf que bien souvent, ils ont été ajustés puis on n'aurait pas le temps de façon... On a un problème logistique, ce qu'on n'aura pas le temps de toutes les amender en temps pour venir les livrer, pour que tout le monde voit tous les projets de résolution. Fait que ça devient quasiment ingérable. On a un problème logistique à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'en tout cas, on y va toujours en voulant s'améliorer, puis votre suggestion est bien reçue. Non, mais je comprends pour... Ben, merci de l'éclaircissement. Puis je comprends pour l'aspect que vous êtes en rencontre avant, puis vous discutez, donc, je veux dire... Effectivement, il y a l'unanimité, mais par exemple, ce serait peut-être possible de mettre en ligne des décisions qui ont été prises préalablement ou présenter par exemple l'ordre du jour sur Internet puis avoir un petit sommaire de c'est quoi l'enjeu ou le propos. Ça permettrait peut-être à des gens qui veulent assister d'arriver puis d'être préparés puis de pouvoir dire ben ça, c'est peut-être pas pertinent qu'on pose des questions là-dessus ou c'est peut-être pas pertinent qu'on amène quelque chose là-dessus, mais ben, à cet égard-là, ben, peut-être que si on avait su, on aurait eu envie de proposer quelque chose ou de poser une question ou de s'organiser. En fait, à ce sujet-là, je vous dirais, on a une certaine problématique au niveau de notre site web qui tombe un peu dans la désuétude et qui n'est pas très souvent mise à jour. Puis c'est un petit peu de ma faute. J'ai démissionné de mon poste qui me permettait de faire ce job-là parce que c'était moi qui étais responsable de ça. Je me suis présenté dans une élection puis je suis rendu maire, fait que je ne peux plus m'occuper du site web, malheureusement. Peut-être heureusement pour un volet, mais malheureusement pour l'autre. Donc, on est en processus d'embauche d'une personne en communication. Présentement, je vous dirais, on fait le strict minimum au niveau de l'entretien web avec les personnes en place, mais tu sais, pour vrai, la personne qui était en charge du web, là, dans la vraie vie, là, c'était moi quand j'étais employé municipal. Donc, je vous dirais qu'on est dû vraiment pour une grosse remise à niveau. Puis au niveau du fait de mettre en ligne les ordres du jour puis les procès-verbaux des séances du conseil, ça avait déjà été envisagé, même que ça a déjà été fait pendant une certaine période. Sauf que, malheureusement, je ne peux pas assumer la double fonction, donc je ne peux pas le faire. Puis présentement, l'autre personne qui pouvait le faire, honnêtement, est en congé de maternité. Donc, on essaie vraiment d'y aller avec le strict minimum. Mais
Il y a du nouveau personnel qui va arriver en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va vraiment y aller en s'améliorant. On a vraiment un projet de refaire ou de refondre notre site web au complet, puis de le rendre encore plus interactif, plus accessible pour les citoyens et le plus simple possible. Donc, notre objectif, c'est d'être le plus transparent possible, d'être le plus ouvert possible aussi aux suggestions puis aux commentaires des citoyens. Puis le site web est une belle voie là-dessus. Je me permettrai même une petite parenthèse. Je vois mon collègue d'études qui est à la table et je suis en train de faire justement un travail au niveau du deuxième cycle universitaire qui porte sur la présence accrue d'une municipalité comme la ville de Gaspé sur le web, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est mon sujet d'étude présentement, fait que je suis un petit peu pas mal sensible à cette question-là. Puis le fruit de ces études-là vont être livrés dans les prochains mois. Donc, en même temps, on va pouvoir faire des efforts du côté de la municipalité, mais en même temps, le fruit de ces études-là vont nous permettre d'optimiser encore davantage notre présence sur le web. Donc, notamment sur le web, mais ça n'empêche que les séances du conseil sont là aussi pour informer la population. Puis je comprends qu'on a encore un peu de travail à faire pour tout vulgariser ça puis simplifier l'appropriation de nos travaux par les citoyens. Ce serait utile pour tout le monde, effectivement. Donc, on va y travailler. Donc, je vous remercie. Oui, en complémentaire, M. le Président, oui. Je suis bien d'accord avec les interventions de Mme Ouliam, puis vous avez donné de très bonnes explications également. Ça fait que moi, c'était pour donner une information. Déjà, Télé Gaspé diffuse les séances du Conseil. Et aussi, à partir de la semaine prochaine, on aura avec vous un retour sur l'Assemblée du Conseil avec des ajouts pour des dossiers très spécifiques, genre les taxes, le budget, et ainsi de suite. Et on invite la population à communiquer avec Télé Gaspé si les gens ont des questions à poser ou des dossiers à avoir des informations. Bien, on pourra, lors des entrevues du maire, qui se fait de façon plus friendly, excusez l'expression, mais ça se déroule très bien. Effectivement, on en est plus en profondeur sur divers sujets que vous nous apportez. Donc, on fait ça une fois par mois, habituellement, après la séance télédiffusée, dans les jours qui suivent ou dans une semaine après. Ça fait quand même quelques fois qu'on le fait, M. Dupuis, comme animateur comme animateur à la télé, à la télé communautaire. Donc, on fait ça, on se rencontre, puis pendant une heure et quart de temps, on fait le tour de divers dossiers qui interpellent les citoyens et où on a besoin d'aller plus en profondeur. Donc, je pense que c'est une formule qui va très bien, puis les gens ont intérêt, à écouter leur télé communautaire puis à se renseigner à ce niveau-là. Absolument, puis je peux vous dire qu'on a de très bons commentaires parce que les gens disent, bien, OK, on va un petit peu plus en profondeur au niveau des dossiers, puis là, on comprend davantage. Très bien. Merci, puis bonne fête de soirée. Merci de votre suggestion, bonne fête de soirée. Est-ce qu'on avait d'autres interventions? Ne voyant plus de mains ni de gens levés. Oups! Une intervention de dernière minute, de dernière seconde. Citoyenne de Gaspé. Oui. Je voudrais vous remercier pour le résolu pour Post-Canada. Bien, contre Post-Canada. Mais c'est vrai, comme M. Dupuis disait, s'il n'y a pas de commerce qui accepte ça à Gaspé, il n'y en aura pas. Ça réglerait le problème, mais on peut-tu faire ça? Ça se fait-tu? Très bonne question. Très bonne question. Ils vont pas vous demander la permission. En fait, c'est une très bonne question. Je me retourne vers... Question de zonage. Hein? Si la zone permet ce type d'usage-là, on n'a pas de discrétion au niveau de la municipalité. Le zonage est là, il n'y a pas de moi. Mm-hmm. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de commerce qui accepte, qui le veulent, il n'y en aura pas. Exact. Parce que c'est comme ça qu'ils ferment les petits bureaux de poste ailleurs. S'il n'y a pas d'autre place pour mettre ça, Exact. Ou une autre suggestion, si jamais il y a un commerçant qui accepte d'ouvrir un comptoir postal privé, et une autre solution, c'est que les citoyens n'y aillent pas puis continuent d'aller à leur bureau de poste. Ça, c'est dur. Ça, c'est plus dur, hein? Mais bon, on a une démarche en quelques étapes qui pourrait évidemment se réaliser. Donc évidemment, ce qu'on souhaite, on n'a rien contre le privé, évidemment, on n'a vraiment rien contre le privé. Par contre, on a des services postaux de qualité offerts dans un bureau de poste de qualité qui fait un travail de qualité. On veut le maintenir.
on a le droit à ce service-là, on en a bénéficié, on veut continuer d'en bénéficier, puis je pense que le message est clair. J'espère juste que le fédéral va ouvrir ses oreilles cette fois-là. Je dis bien cette fois-là parce qu'il n'y a pas l'habitude de les ouvrir beaucoup ces temps-ci. Mais j'espère juste qu'il va s'ouvrir les oreilles puis qu'il va entendre notre message. Écoutez, on ne veut pas le perdre, le service postal. On ne veut pas perdre notre bureau de poste à Gaspé. Il me semble que c'est pas compliqué, il me semble. Merci. On est avec vous dans ce combat-là. Merci à vous. Donc, est-ce que ça va? Ne voyant plus de mains ni de gens levés, on va procéder à la fermeture de la rencontre. Je vous remercie. Un proposeur, oui. Monsieur Kenville propose. C'est bon, merci.